Pour qu'une recherche religieuse soit vraiment féconde, puissante, il n'est pas nécessaire qu'elle soit tout le temps consciente, et il est même probablement très utile que pendant de longues années, il y ait comme une végétation secrète, des racines qui se créent à l'intérieur de la vie, sans qu'on en prenne conscience, et qui ne font qu'émerger qu'à l'heure voulue, au moment où, justement, en particulier lorsque les forces commencent à baisser, l'activité intellectuelle reprend sa place, puisqu'en définitive, le travail manuel est obligé de rétrograder. Je crois qu'on peut dire que pendant une bonne vingtaine d'années, eh bien, ma recherche religieuse a été plus implicite qu'explicite, et elle a été plus nourrie par ma fidélité au travail manuel tel que je l'avais conçu, que par des réflexions particulièrement, je dirais, aiguës et systématiques dans ce domaine. Pour que l'homme puisse retrouver le chemin de Dieu, il faut d'abord qu'il retrouve le chemin de son être. Autrement dit, que pour atteindre la foi en Dieu, désormais, il faut passer par la foi en soi. Foi en soi qui d'ailleurs doit être précisée et qui est difficile par le fait même que c'est tout à fait autre chose que la confiance en soi. Oui. Ça suppose un approfondissement intérieur que la confiance en soi n'a, dont la confiance en soi n'a pas besoin parce que nous l'avons spontanément la confiance en soi, tandis que nous n'avons que difficilement, par travail intérieur, par expérience de la vie humaine, par approfondissement de la condition humaine, de notre propre condition humaine, la foi en soi. Eh bien, je suppose par conséquent un homme qui a suffisamment vécu pour avoir un passé réel. Eh bien, et ça, c'est, je dirais, ce qui se passe ordinairement quand on est suffisamment vieux. Eh bien, même la nature humaine nous pousse d'une certaine façon à ce moment-là à réfléchir sur le passé, dans la mesure où notre vie est en train de se terminer, plus ou moins vite, et où le passé est très utile pour vivre encore convenablement le présent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la vieillesse de beaucoup de gens est médiocre, c'est parce que tout leur passé est médiocre et n'arrive pas à soutenir cette période particulièrement difficile de la vie. Eh bien, supposons donc un homme qui est suffisamment bien vécu, dans les perspectives que je viens de vous développer, qui se rappelle de tout ce qui s'est passé dans sa vie, mais qui s'en rappelle non pas par un simple exercice de la mémoire, mais par une certaine compréhension par le dedans de ce qu'il a vécu en tant que ce n'est pas simplement des événements objectifs qui pourraient être connus par tous, mais les événements tels qu'il les a proprement lui-même personnellement vécus. Alors il découvre une chose, c'est que malgré la diversité des événements qu'il a pu rencontrer, la diversité de l'évolution intérieure qu'il a pu faire, il y a en lui une unité fondamentale qui petit à petit s'annonce. Quelque chose qui, en définitive, n'a pas été préconçu, mais qu'il découvre après. Eh bien, la différence entre l'ensemble de notre histoire, ce qu'on peut appeler aussi notre vie, et puis cette unité fondamentale qui se dégage progressivement à travers tous ces éléments contingents et variés, c'est pour, je l'appelle, l'existence, c'est une définition, on pourrait employer un autre terme, parce que, à mon sens, tout homme n'arrive vraiment à un niveau proprement humain que s'il perçoit suffisamment cette existence. Alors, c'est pour un homme âgé, qui a suffisamment vécu, une confirmation de cette foi en soi, par le fait même qu'il voit, pour ainsi dire, inscrit dans son histoire intime, la réalité profonde qu'il avait affirmée au départ, à savoir que sa vie avait valeur et était une réalité ayant une consistance et une durée qui débordait tous les éléments contingents dans lesquels il pouvait vivre et dont il devait servir.
Alors voilà, me semble-t-il, une des formes. Alors, une des conséquences de ceci, et qui n'est pas la moindre à mon point de vue, c'est que précisément lorsqu'un homme a suffisamment vécu de cette façon, la mort n'est pour lui l'interruption de la vie ou la cassure de la vie, mais, je dirais, l'accomplissement de sa vie. Oui. Il donne à la mort, qui est brutale et rupture pour, d'une façon générale, un sens positif, car il ne la sépare pas de sa vie, il en fait le couronnement de sa vie. La foi en soi, à mon point de vue, c'est la clé de voûte de l'humain. On peut cerner ce qu'est en chacun la foi en soi en disant ce qu'elle n'est pas, mais on ne peut pas dire d'une manière précise ce qu'elle est, parce qu'elle est différente en chacun, vu qu'elle est pratiquement une création de chacun, dans la mesure où il en est proprement capable à partir de ce qu'il est. C'est affirmé en plus, alors en précisant un peu mieux les choses, la valeur très originale de sa propre vie, la sienne, pas celle des autres, la sienne. C'est découvrir que cette valeur dépasse de beaucoup toutes les considérations qu'on pourrait faire en regardant cette vie du dehors, c'est-à-dire l'intérêt qu'elle peut présenter pour le monde, l'utilité qu'elle peut avoir autour de soi, et ainsi de suite. La valeur de notre vie, la valeur de notre propre vie, est tout à fait indépendante des considérations, soit du passé, soit de l'avenir. C'est quelque chose qui transcende, d'une certaine manière, toutes ces considérations qui sont malgré tout contingentes, quoi qu'elles soient, nécessaires. La foi en soi est la condition pour que l'on découvre que les biens humains vers lesquels nous aspirons ne seront jamais atteints véritablement. Autrement dit, nous découvrons grâce à la foi en soi une impuissance qui n'est pas une impuissance technique, qui n'est pas une impuissance due à des fautes passées, mais qui est une impuissance fondamentale, ce que j'appellerais, si vous voulez, la carence d'être. De telle sorte qu'il y a, je dirais, la découverte que la carence, la découverte de la carence d'être et de la foi en soi sont simultanées. Là où il y a foi en soi, on peut découvrir cette carence d'être et ne pas accuser nos impuissances d'être simplement des impuissances accidentelles. Et là où il y a découverte de la carence d'être, il n'y a pas possibilité de véritable orgueil. Notre grandeur, c'est précisément de savoir que nous sommes grands, tout en n'étant pas aussi grands qu'il le faudrait pour pouvoir l'être vraiment.